On va aborder dans cet exercice la notion de variation de profondeur. Tu vas servir court et par conséquent obliger ton adversaire à se positionner près de la table, puis tu vas enchaîner immédiatement par une balle longue ou tendue afin de le déstabiliser. Tu vas bien veiller au dosage de l'impact balle-raquette qui va décider de la profondeur de ta balle. On va aborder à présent dans cet exercice la notion de variation de placement latéral. Tu vas effectuer un service dans un angle de la table, puis tout de suite écarter l'adversaire dans l'angle opposé. Tu seras d'autant plus efficace dans cet exercice dès lors que ton placement de balle sera proche des lignes blanches. On va aborder ici la notion de fixer l'adversaire et de le surprendre par un changement de direction. Durant l'échange, tu vas jouer systématiquement plusieurs balles dans le même angle de l'adversaire et soudainement changer vers l'angle opposé. Tu devras pour ce faire attention à l'orientation de ta raquette au moment d'écarter le joueur adverse, mais aussi à l'orientation de ton corps, et il y aura un travail important de la main au moment du changement de trajectoire. On aborde dans cet exercice la notion de variation de rythme. Durant l'échange, tu vas varier le rythme et la puissance de tes balles afin de contrarier l'adversaire et que ce dernier ne puisse pas guider le point comme il l'entend. Diriger le jeu en variant la qualité de ta balle nécessite de bien s'adapter à la qualité de chacune des balles reçues. La notion de concentration sera primordiale.